T'as même pas saigné lors de ta première fois? Et en plus, ça a duré 2 minutes! Non mais meuf, t'es toujours vierge, hein? Change de copain. Non. Hey mes petits loups! Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo 10 idées reçues sur la première fois. Donc, je prends un peu la vidéo par la fin. Puisque, n'hésitez pas à me dire si elle vous plaît, à mettre des pouces en l'air, à partager, à commenter, etc. Car si elle vous plaît, vous ferez la vidéo 10 idées reçues sur la sexualité en général. J'en ai beaucoup en stock parce qu'on attend vraiment de tout et surtout du n'importe quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Dans cette vidéo, on va parler de 10 idées reçues sur la première fois. J'ai fait cette vidéo suite à un questionnaire que j'avais mis en ligne et on a eu plus de 700 participations et 700 réponses. Alors merci. Mais avant toute chose, on va faire un petit point capillaire qui n'était pas du tout prévu. Mais oui, j'ai changé de coupe de cheveux, j'ai changé de couleur de cheveux. Je remercie encore énormément Jean-Claude Aubry, donc c'est l'enseigne, hein, c'est Naïma qui m'a coiffée. C'est la directrice artistique et c'est vraiment une fille géniale. Donc je la remercie encore une fois pour cette coiffure et cet après-midi. Je mets la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir ce petit changement, enfin ce gros changement. Après voilà, ça plaît à beaucoup, ça n'a pas plu à certains. C'est la vie, moi ça me plaît, je voulais me donner un côté plus vieille, plus femme. Et je trouve que c'est le cas, donc voilà. On n'est pas là pour parler de mes cheveux parce que c'est pas le thème de la chaîne. Mais si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, c'est sur ma deuxième chaîne qui est Pose Chou. Oui, les deux chaînes, voilà. Bref, passe à la vidéo. Lors d'une première fois, on saigne et ça fait mal. Alors non, la première fois n'est pas synonyme de saignement, de douleur. Déjà, c'est toute une histoire avec notre chère amie humaine. Alors déjà, il y a des filles qui sont sans hymen, parce qu'on peut naître sans hymen et du coup, il n'y a pas de souci là-dessus. Comme je vous le répète assez souvent, l'hymen n'est pas censé éclater, se déchirer ou je ne sais pas quoi lors de la première fois, il est censé se dilater. Mais oui, il peut très bien craquer un mois plus tard, etc. Saigner ne signifie pas être vierge, on n'est logiquement pas censé saigner, pas censé avoir mal. Et si ça arrive, c'est souvent parce qu'on est un peu trop crispé et trop stressé. Les filles pour qui la première fois se passe merveilleusement bien, sans soucis, sans accros, sans saigner, sans douleur, les seuls conseils que je peux vous donner, c'est d'acheter du lubrifiant, de bien vous lubrifier pour une première fois. C'est assez important de vous relaxer, de ne pas vous prendre la tête pour ça. Les filles ont le droit de dire stop ou non. C'est pas parce que vous dites stop ou non au garçon que vous l'aimez moins, mais écoutez-vous. C'est votre corps, donc si vous avez mal, stoppez tout, ne vous forcez pas, expliquez-lui, il comprendra, et s'il ne comprend pas, c'est que c'est un gros con, et tant mieux qu'il dégage. La première fois se fait avec des bougies et des pétales de rose. Ça c'est une idée reçue assez mignonne, donc non, ce n'est pas obligatoire de sortir le tapis rouge, les pétales, etc. Vous pouvez le faire comme vous voulez, vous pouvez le faire, vous ne pouvez pas le faire, et vous pouvez le faire aussi, même si ce n'est pas une première fois, hein, faites ce que vous voulez. On doit obligatoirement prendre son pied et avoir un orgasme lors d'une première fois. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça de manière simple et non complexe. Alors oui, il est totalement possible de prendre votre pied lors de la première fois, sûr qu'il fait ça, etc. Mais faut savoir que l'orgasme féminin, si vous l'avez lors du premier rapport, c'est vraiment un cas exceptionnel. L'orgasme féminin, vous n'allez pas l'avoir comme ça parce que c'est tout à l'intérieur, c'est à la différence des hommes. Les hommes, quand ils grandissent, ils ont leur pénis hein, qui se balade un peu partout, qui frotte partout. Nous, c'est à l'intérieur. Et voilà, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe. Et il n'y a qu'avec la pratique et le temps qu'on arrive à avoir des orgasmes. En gros, c'est un petit peu faire comme du vélo sans les petites roulettes, ça s'apprend. Voilà, c'est ne vous frustrez pas si vous n'avez pas d'orgasme lors du premier rapport, c'est pas grave, c'est souvent normal parce que si vous en avez un, bah chapeau. Si je suis une fille et que je couche avec une fille, suis-je toujours vierge? Si vous couchez avec une personne du sexe opposé ou du même sexe, vous n'êtes plus vierge. Alors il y a tout un débat là-dessus parce qu'on m'a dit oui, mais quand on n'est plus vierge, c'est quand on n'a plus son hymen, mais ça veut dire que si on se masturbe, on n'est plus vierge, alors qu'être plus vierge, c'est jamais avoir eu de rapport. Vierge et pucelle, déjà pucelle c'est un mot hyper péjoratif, c'est la même chose. Bien sûr moi je parle d'un point de vue mental, il y a un point de vue corporel, un point de vue religieux, etc. Le rapport dure pas longtemps, c'est qu'il y a un souci et qu'il ne m'aime pas. Et ça c'est une petite question homme, c'est quelque chose qui me fait le plus sourire parce que
les filles stressent d'avoir mal et les hommes stressent de finir trop vite. Et voilà. Alors, un rapport peut durer 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça dépend de plein de choses. De l'envie, du temps, de l'appréhension. Si vous l'avez fait 4-5 fois dans la journée, c'est sûr que ça se fera... ça sera pas pareil, etc. Donc, no stress. Alors non, là je ne parle pas des garçons précoces. C'est tout un autre débat, hein. Mais sachez messieurs qu'il existe plein de techniques pour se retenir de finir trop vite. Je vous laisse aller sur Google et chercher un peu cela. On doit faire la première fois avec une personne qu'on aime. Alors, ça c'est une idée reçue, vous faites votre première fois avec qui vous voulez, comme vous le sentez, etc. Même si je vous le dis sincèrement, je suis de la vieille école, pour moi, une fille, autant qu'un garçon, doit faire sa première fois avec la personne qu'il aime. Mais ça, c'est chacun pense comme il veut, mais ce n'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé de suivre cela. Faites comme vous le sentez, comme vous voulez, c'est votre vie, c'est votre corps, etc. Lors d'une première fois, on ne peut pas tomber enceinte. Faux ! Hashtag Norman. Alors ça c'est la pire des idées reçues que j'ai jamais entendues. Oui, vous pouvez tomber enceinte lors du premier rapport, lors du deuxième, tout le temps, ça change rien à la donne, alors protégez-vous. Premier rapport, deuxième rapport, protégez-vous tout le temps. Si l'homme a toujours des érections, c'est qu'il a forcément envie de sexe. Non, un homme peut hisser son mât, dit de façon poétique. Pour plusieurs raisons, ce n'est pas forcément des pulsions sexuelles, ça peut très bien être en voiture, en dormant, etc. Ça ne veut rien dire, c'est hormonal, c'est comme ça. Alors oui, nous on se plaint, mais ça ne doit pas être facile de vivre avec ces trucs qui pendouillent entre ses jambes tous les jours. Hein. Mais bon, j'aimerais bien en avoir une pour tester une journée, pour voir un peu ce que ça donne. Pour voir si à côté de nous, vous êtes vraiment à plaindre ou non. La première fois, comme un film pornographique. Alors là, elle dit à tous, alors oui, effectivement, votre partie de jambes en l'air peut ressembler à un film pornographique. Cependant, j'ai un gros doute que votre copine ou vous hurliez autant lors de votre première fois. Hein. J'ai un très très gros doute. Donc la première fois, c'est bien loin des films télé ou pornographiques que vous pouvez voir. Et surtout, ne vous forcez pas à faire du bruit, à crier, juste pour faire bien. Parce que ça va vous gêner, vous mettre mal à l'aise plus qu'autre chose. Donc ne vous forcez à rien, laissez-vous aller, ne vous prenez surtout pas la tête à vouloir faire quelque chose de parfait, hein. N'oubliez pas de rester vous-même. Mettre deux préservatifs lors d'une première fois pour mieux se protéger. Alors non, on met qu'un seul préservatif à la fois, sinon ça risque de frotter et de craquer. Et voilà, j'ai terminé mes 10 idées reçues lors d'une première fois. Bien évidemment, on se protège lors de sa première fois. Monsieur, le préservatif est peut-être chiant, mais il vous préserve d'éventuelles grossesses et surtout des maladies. C'est le seul contraceptif qui vous protège du sida et autres maladies, parce qu'il n'y a pas que le sida, il y en a des bien moins grosses, mais tout aussi chiantes. Et voilà, on essaye d'avoir une deuxième protection, pourquoi pas, comme la pilule, le stérilet, l'implant, faites ce que vous voulez, mais protégez-vous. Voilà, ça peut très vite arriver, on se dit toujours que ça arrive aux autres, mais ça peut très bien nous arriver à nous. Sur ce, ma vidéo est finie, moi je me carapate et je vous dis à la prochaine. Ciao.